pour plaisir sain. Verset 1er à 7. Papi se fait promesse by bon Dieu. Gardez bien qui j'en a mette pied ou la caille bon Dieu. Pito ou allé pour ka prendre pichon. Passez pour allou fou bête pour touye pour bon Dieu. Tant que moun sa pou kon sa yo ki pa kon sa ki bon ak sa ki mal. Fete tout travail anvan ou louvri bouche ou pale. Papi se fè aucun promesse bay bon Dieu. Bon Dieu, c'est la ciel lié. Ou même ou sous la tête. Pas dit plus passe ça ou doit dire. Plus ou quitte bagay chargé tête ou, c'est plus ou ka fè mauvais rêve. Plus ou parle en pile. Plus ou ka di parole qui pas fait sens même. Là ou fait yon promesse bay bon Dieu. Pas mise fait ça ou promesse fait ya. Bon Dieu pas nan jouet ak moun ki san comprendre. Ça ou promesse fait ya. Fait. Pito ou pas jam promesse bon Dieu ou fait ki choy pou li. Passe pour promesse. Et puis pour pas qu'un des promesses. Pas quitter parole qui sortit dans bouche ou fait péché. Après ça, pour moi dire représentant bon Dieu là. Oh oui. C'est chapé bouche mon chapé. Pour qui ça pour ta faire bon Dieu fâché sur vous. Pour qui ça pour ta faire bon Dieu depuis travail ou fait avec nous. Tout rêve ou aple de feye, tout parole ou aple de diye pap servi ou anye, c'est créatif pour toujours de l'éternité. Proverbe 20, verset 26. Pas pressé fait bon Dieu promesse, ou ka regrette sa pita. Deutéronome 23, verset 21 à 23. Le yon nan nou promet tenye an ap fè ki choy pou li. Pa kite trop tan pase anvan nou kebe promes la. Paske Seigne ya, bon Dieu nou an, pap manke mande nou kon. Le sa, na genyen peche sou konsyans nou. Si nous pas fait Seigneur aucune promesse, pas de péché dans ça. Mais depuis yon parole sort dans bouche nous, faut que nous kebel. Là nous fait Seigneur yon promesse à trop bouche nous, sans rien pas forcer nous faire, c'est pour nous kebel. Nombre chapitre 3. Règlement pour moun qui fait vie. Moïse parlait avec chef branche famille peuple Israël. Il dit yo comme ça. Mais l'ordre Seigneur a bail. Là yon moun fait yon vè la bail Seigneur a ki choy. Ou encore là yon moun promet li pa fè yon bagay. Li pa fait pour pa kebe parole li. C'est pour faire tout ça li te promet la faire. Si yon jeune fille la kay papa toujours fait yon vè la bay Seigneur ki choy. Ou encore li promet pour pa faire yon bagay. Les papa vin comme ça. Si li pa di rien. Jeune fille a des obligations pour que bébé lui te prend, ou sinon promesse lui te fait. Mais, si le papa vient comme ça, lui fait opposition, ni ve jeune fille a te prend yo, ni promesse lui te fait yo pas que bébé encore.
yo pa vo anye. Seigneur a pas gardé sous ça. Il pas fait anye. Parce que c'est pas faute lui. C'est pas pal qui de refuser qui te requête des paroles. Si une jeune fille te en bas obligation pour te kembe yon ve li te prend. Ou sinon yon promesse li te fait. Même si li te prend yo en jouet. Si li rive marié. Et puis Marie a pas dit rien les li vin comme ça. Si a gen obligation pour kembe ve li te prend ou sinon promesse li te fait. Mais si jou Marie a vin comme ça li fait opposition. La même li rete femme là en bas obligation li te gagne pour kembe ve li te prend ou sinon promesse li te fait. Seigneur pas garder sous ça. Li pas fait rien. Mais la yon femme qui veuve ou sinon qui divorce fait yon ve pour le bail Seigneur qui choy ou sinon li promet pour pas faire yon bagay, c'est pour kembe parole. Si yon madame mariée entend li la kay mari prend yon ve pour faire qui choy. Ou sinon promettre pour pas faire un bagay. Et puis si le mari vient comme ça, il pas dit rien, il pas faire aucune opposition. Femme la gen obligation pour kembe ve li te prend ou sinon promesse li te fait. N'importe qui ça y te. Mais si mari a vienne comme ça et puis même jour li vienne comme ça, li di li pa d'accord. Femme la pap nan obligation pour kembe parole li, pour ve li te prend, ou sinon pour promesse li te fait. C'est mari li ki de refuse le kembe parole li. Kon sa, Seigneur pap gade sou sa. Li pap fèl anye. Yon mari li gen doa d'accord. Kon sa tout. Li gen dwa refuse d'accord pou te madame li te de parole. Ni pou ve madame li te pran, ni pou promesse li te fait. Mais si après mari a vin comme ça, li kite yon jou passé, li pa di anyen encore. Ça vle di li d'accord ak ve madame li te pran, ou sinon ak promesse madame li te fait. Depuis Marie a pas dit rien les li vin comme ça. Ça veut dire c'est d'accord li d'accord. Mais si après Marie a vin kon engagement madame la te prend. Marie a quitté quelques jours passé avant li dit li pas d'accord. C'est lui même qui a subi châtiment qui peut tomber sur madame la pour parole li te tombé. Mais tout règlement Seigneur te bail Moïse pour yon femme qui fait ve ou sinon qui prend un engagement. Si li marié. Mais tout Jean Marie a kaboulé avec. Na kasa, si li poko marié, li la kay papa toujours. Mais tout Jean, papa a ka pa sa.